Avant de commencer le conseil, donc, je vous propose d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes des événements de la semaine précédente. Cette minute pour marquer notre refus du terrorisme et de la violence, et je pense notre attachement commun à toutes les valeurs républicaines. Donc, si vous êtes d'accord. Aussi à la mémoire de M. Parola, qui a été élu de la République, élu à Fufo entre 1989 et 1995, et qui est décédé les jours qui ont suivi Noël. Nous pourrons lire un petit texte en hommage. Il y a quelques lignes. Mon idée était plutôt que ça se fait lors des obsèques. Je pense que ça paraît plus normal de le faire en dehors de du conseil municipal. À la fin. Mon idée était plutôt que ça ne se fasse pas dans l'enceinte du conseil municipal. Les loges funèbres, ça me paraît un peu. Mais la funèbre, c'est une conseiller municipal. Approbation donc du compte rendu. Donc d'abord, effectivement, nommé le secrétaire, est-ce que Antoine Franck est toujours volontaire, désigné? Donc nous passons au vote, qui est pour? Merci beaucoup. Donc Antoine, tu veux bien procéder à l'appel. Hélène Roubolaine. Présente. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Gouérand. Présent. Marie-Dominique Bagou. Confirmation à Daniel Gouérand. Jean-Paul Blé. Présent. Marielle Veuillet. Yohann Nicolosi, Béatrice Bonfillon, Cavalsaf, Guillaume Volant, présent. Dominique Chen, présent. Gaël Barthélémy Lassagne, présent. Michel Viotto, présent. François Tremo, Joël Albanel, présent. Nicole Céréou, présent. Michel Giraud, présent. Sonia Marcelli, présent. Alban Zakaria, présent. Audrey Bonnet, présent. Philippe Audier, présent. Françoise Cayol, présent. Fatma Touel-Clément, présent. Emmanuel Tout-Avant. Procuration à Michel Leto. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Bellin. Présent. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Présent. Christophe Noville. Présent. Donc, avant de lecture, l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 2014. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous passons directement au vote, qui est pour. Merci beaucoup. Alors, information du conseil municipal, compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril 2014. Conformément aux dispositions du code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par délégation du conseil municipal. Alors, numéro 97, signature d'un contrat de mission avec le groupement Habitat et Société, agence Visu, pour l'élaboration du projet de révision allégée numéro 1 du PLU de la commune, pour un montant global de 13 230 euros TTC. Numéro 98, signature d'un marché adapté avec la société Terre de Provence pour la rénovation et l'extension du parcours sportif et de loisirs situé au PLAM pour un montant de 25 872 euros. Numéro 99, signature d'une convention avec la commune de Beurrecueil pour la mise à disposition de personnel et de matériel pour des opérations d'entretien, vérification et réparation d'éclairage public
ainsi que l'installation et l'enlèvement d'illuminations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. La commune de Beaurecueil prendra en charge le montant des salaires au prorata du temps d'intervention, le montant des frais afférents aux déplacements et aux véhicules, et le montant des frais relatifs aux fournitures nécessaires aux prestations. Numéro 100 et 101, il s'agit, vous les avez en face, des activités dans le cadre périscolaire ou des NAP. Vous avez 4 jours et Active Horizon, et vous avez les lieux où elles se passent du 9, normalement du 9 septembre jusqu'au 26 juin. Ensuite, numéro 102, signature d'un contrat de location à usage de garage au TUV avec Madame Dossetto-Françoise pour une durée de 6 ans, à compter du 14 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 90 euros. Même chose, 103, signature d'un contrat de location à usage de garage au TUV avec Madame J. Charline et Monsieur Émy Frédéric pour une durée de 6 ans, à compter du 24 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 90 euros. Numéro 104, versement de la somme de 1 500 euros à la SCA Château-Larc et la somme de 1 500 à la SCI des hameaux du Château-Larc au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative résultant du jugement du Conseil d'État en date du 5 novembre 2014 suite au contentieux les opposants à la commune de Puyvaux. Affaire 362 021, refus du permis d'aménager du 25-9-2008. Numéro 105, encaissement de la somme de 3 000 euros versée par la SCA Château-Larc au titre de l'article L61-1 du Code de justice, résultant du jugement du Conseil d'État en date du 5 novembre 2014, suite au contentieux l'opposant à la commune de Puyvaux. Affaire 362 072, contentieux indemnitaire. Numéro 106, encaissement de la somme de 3 000 euros versée par la SCA Château-Larc au titre du même article, résultant du jugement du Conseil d'État en date du 5 novembre 2014 suite au contentieux l'opposant à la commune. Affaire 362 100, refus arrêté de lotir du 28-11-2006. Numéro 107, versement de la somme de 2 040 euros, représentant le montant des frais honoraires dus à maître Olivier Burtès-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée M. Jean-Louis Fetzhauser contre la commune de Puyvaux devant le tribunal administratif de Marseille. 108, contrat de location à usage de garage au TUV avec Mme Laude Audrey et M. Labonne-Romain pour une durée de 6 ans à compter du 1er décembre 2014. Moyennant un loyer mensuel de 90 euros. Numéro 109, encaissement de la somme de 800 euros versée par l'assurance SMAC au titre de remboursement de frais et honoraires d'avocat concernant l'affaire en référé, M. Jean-Louis Fitozer, contre la commune. 110, signature d'un contrat de location à usage de garage à la carrière Coquilla, espace Saint-Roch, avec M. Riberol Christian pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer mensuel de 88 euros. Numéro 111, versement de la somme de 1 200 euros représentant le montant des frais et honoraires dus à la SCP Vaquet Farjazan, désignée pour défendre la commune dans l'affaire référencée SCA Château-Larc et SCI Hameau Château-Larc contre la commune devant le Conseil d'État. Numéro 112, signature d'un contrat de location à usage de garage au TUF avec M. Simon Esbaz Jean-Pierre pour 6 ans à compter du 15 décembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 90 euros. Numéro 113, renouvellement d'un contrat de location à usage d'habitation principale type T4, avenue Guérin-Marquis, quartier ouvert avec Madame H. Isabelle, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer mensuel de 811,48 euros, auquel s'ajoutent les charges. 114, signature d'un contrat de location à usage de garage, 6 lieux dits du TUV avec Mademoiselle Massuco et M. Ponce pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer mensuel de 90 euros. Numéro 115, signature d'un contrat de prêt avec la Société Générale pour financer le programme d'investissement 2014 du budget général de la commune d'un montant de 500 000 euros, taux fixe 2,07 pour une durée de 15 ans.
cette présentation ne donne pas lieu à vote. Y a-t-il des questions ? Oui, une question sur une question concernant le contrat de prêt de la Société Générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les éléments du budget qui ont été financés avec ce prêt de 500 000 euros? Est-ce que vous me confirmez que ce prêt s'appuie bien sur le budget 2014 Dans le budget 2014. D'accord. Parce qu'effectivement, dans les éléments qui nous ont été transmis le 15 décembre, lorsque le vote du budget 2015 a été soumis au conseil municipal, dans l'état de la dette, ce prêt n'était pas évoqué. Donc effectivement, les éléments relatifs à l'endettement de la commune présentés le 15 décembre n'incluaient pas, si je comprends bien, ce prêt de 500 000 euros. Non, tout à fait. Le prêt n'apparaît dans l'état de la dette que quand il commence à être remboursé, quand vous avez la première annuité commune. Pour le moment, d'ailleurs, nous n'avons pas encore de tableau d'amortissement. On a eu la proposition d'un taux fixe de 2,07 que nous avons choisi trimestriel et sur 15 ans, après avoir consulté plusieurs banques, et c'est celle-là qui a été retenue. Et c'est bien, pardon, des investissements 2014 qui ont été financés globalement. C'est-à-dire, ce n'était pas affecté à un programme particulier de l'année 2014, c'est l'ensemble du programme d'investissement de la commune qui a été financé. Et que nous sommes en train de terminer. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été terminées. Y a-t-il d'autres questions ? J'avais une question sur le numéro 98. Vous pourriez nous préciser qui a défini le parcours sportif et puis qui a établi le contenu de ce parcours-là. Et la deuxième question, c'était, on avait évoqué un chantier d'insertion autour de ce projet. Est-ce qu'il s'agit d'installation ou après d'exploitation? Béatrice Bonfier va vous répondre. C'est effectivement donc un projet qu'on a choisi avec l'ensemble des élus, notamment, et également avec le directeur des services techniques. L'installation de ce parcours a été commencée, mais malgré, du coup, à cause des incendies, on a été obligé de s'arrêter. Par contre, les agrès vont être posés de fin janvier à début février à peu près. Pour le chantier de réinsertion, c'est à partir du mois de... Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas m'engager sur un mois. Pour autant, c'est à la fois pour ce projet et également pour renettoyer également le parcours VTT. Je rajouterais simplement que le chantier d'insertion, il vient pratiquement chaque année travailler sur la commune avec bonheur d'ailleurs, parce que ça se passe toujours très bien sur effectivement du débroussaillement autour d'équipements divers. Là, ils ne sont pas forcément sur l'installation eux-mêmes, des soleils, des choses comme ça. C'est la société Terre de Provence qui fait l'installation. Mmh. Ils viendront après derrière pour aménager les alentours. Exactement. Et dans l'exploitation. Oui, merci. Auparavant, nous appelions ça parcours de santé. Oui, c'est ça. Voilà. Parcours de sportif, parcours de santé, peu importe le nom. D'accord. Voilà. J'avais juste deux petites questions aussi sur les numéros 100 et 101, là. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe de financement d'activités périscolaires au sein de l'école Sainte-Marie, je pense qu'il y avait eu une décision pour dire qu'elle n'est pas considérée comme les autres écoles, mais il y a quand même un financement d'une activité parmi les autres. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler un peu ce principe-là? C'est une activité, vous pouvez le préciser, c'est une activité annuellement qui est effectivement à l'école Sainte-Marie et qui touche tous les enfants, mais chaque année, ils doivent rouler sur le choix qu'ils font, eux, de... D'accord, ça doit choisir une activité. Une activité, par année. Et la question des nappes, là, il a été évoqué le fait que les contrats avec les intervenants des nappes s'arrêtaient au fin d'année 2014. Est-ce qu'il y a bien eu un renouvellement, je suppose, de ces contrats jusqu'au moins au mois de juin 2015?
Uniquement parce que nous nous sommes aperçus que la fréquentation des enfants n'était pas suffisante et donc nous payons, entre guillemets, trop d'intervenants par rapport au nombre d'enfants présents. Nous avons décidé de, effectivement, supprimer quelques interventions qui n'étaient plus justifiées. C'est uniquement ça. Nous avons fait un relevé très régulier grâce à Grégory Lebrun de la présence des enfants lors des NAP, et nous nous sommes rendus compte effectivement que le nombre d'intervenants par rapport au nombre d'enfants présents était trop petit. Voilà la raison. Et nous avons privilégié, je pense qu'il va répondre aussi, nous avons privilégié le personnel titulaire évidemment et les associations avec qui nous avions signé des contrats. Simplement. Il va compléter maintenant, c'est Johan, mais. Non, juste pour compléter ce que vous dit Madame Le Maire, effectivement, le prévisionnel était basé sur à peu près 90% des enfants scolarisés présents sur les temps de NAP. Oui. Aux premières, enfin, pas aux premières estimations, puisque nous les avons fait avant les vacances de Noël, et on a fait le recul là, depuis le mois de septembre, en gros, on a entre 70 et 75% des enfants présents sur les temps de NAP. Donc, avec l'aval de Madame Le Maire, nous avons juste réajusté... Voilà. Quelques personnels sur certains sites et pas sur tous, parce qu'effectivement la fréquentation est différente selon les sites scolaires. Il y a beaucoup plus d'enfants présents par exemple sur les groupes scolaires ou hier qu'ailleurs. Et par contre, ce sont des intervenants non titulaires qui n'ont pas été renouvelés. Tous les contrats avec les associations ont été renouvelés. Donc pour répondre à votre question, on les a scindés en deux juste par rapport à l'exercice budgétaire, c'est-à-dire on avait fait septembre-décembre parce que c'était sur l'exercice budgétaire 2014, et là on repart janvier-juin sur l'exercice 2015, mais les contrats avec les associations sont poursuivis, les enseignants qui intervenaient continuent à intervenir, les professeurs de musique continuent à intervenir, et le personnel titulaire continue à intervenir. C'est juste par contre des agents vacataires non titulaires de la commune, où je crois qu'on en a supprimé, il y en avait 64 au départ, on est à 61. Voilà. Nous en profitons, bah, on avait évoqué le fait de, à partir du début de l'année 2015, je pourrais vous rappeler, faire un peu un bilan de la mise en place de ces NAP, à la fois un peu financier et puis qualitatif. Est-ce qu'il serait possible d'inscrire au prochain conseil municipal, par exemple, au prochain conseil municipal, le service enfance est en train de mettre tout à plat, au conseil municipal du mois de février, M. Lucchesi vous le présentera. Voilà. Merci. Des questions. Donc, rapport 2.1. Désignation des membres de la commission de suivi de site pour la Société nationale d'électricité thermique E.ON à Gardanne-Méry. Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2012, Monsieur le Préfet a autorisé la fameuse Société nationale d'électricité et de thermique E.ON à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois brut et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et à créer des convoyeurs sur les communes de Gardanne et Méreuil. Conformément au Code de l'environnement et au décret 2012-1289 du 7 février 2012, le préfet a donc décidé d'instituer une commission de suivi du site pour cette société. Cette commission est constituée d'un collège d'administration de l'État composé du préfet, de la Direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la Direction régionale de l'ARS, d'un collège de collectivités territoriales composé des représentants des communes de Gardanne, Méreuil, Fuveau et de la CPA, deux représentants par commune, un titulaire et un suppléant, deux représentants pour le PCI, un titulaire et un suppléant, d'un collège de riverains de l'installation classée composé des représentants d'associations, Association de lutte contre les nuisances et pollutions, Fédération départementale de France Nature Environnement, Association Les Vertéries, Comité d'intérêt de quartier Clapier Jean de Bouc, d'un collège d'exploitants de l'installation classée, trois représentants de la société E.ON, d'un collège des salariés de l'installation classée, trois représentants aussi. Les membres de cette commission sont nommés par le préfet pour une durée de 5 ans. Sont également désignés à titre d'experts par M. le sous-préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi que le président d'ERPACA. Cette commission de suivi de site a pour mission de créer entre les différents représentants un cadre d'échange et d'informations sur les actions menées par l'exploitant
en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement, de suivre l'activité de l'installation lors de son exploitation ou de sa cessation, de promouvoir l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article précité. Elle est par ailleurs tenue informée des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation. La Commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. Donc, en application de l'article R125-8-2 du Code de l'environnement, Monsieur le Préfet nous demande de désigner deux membres, titulaire et suppléant, représentant la commune de Fuveau au sein de cette commission. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au titre du Collège des élus des collectivités territoriales. Nous proposons comme titulaire Daniel Gaudran ou comme suppléant Jean-Paul Blé. Voilà. Y a-t-il des questions ? Madame le maire, moi je voudrais vous dire quelque chose. Je vous en prie. Il m'est arrivé un petit souci ce mois-ci. C'était tout simple. J'ai donné des dates d'indisponibilité pour mes activités où vous nous permettez d'avoir quelques miettes dans le conseil municipal. Il s'est avéré que vous n'avez pas pu déplacer les deux réunions parce que vous aviez trop de travail. Et je vois que systématiquement, à chaque fois que vous avez une nouvelle commission, une nouvelle réunion qui se propose, vous proposez toujours vos mêmes candidats qui vont être de plus en plus surchargés. Je vous propose que pour certaines réunions, vous fassiez appel aux 29 conseils municipaux et pas aux 25. C'est simplement parce que j'ai un peu été étonné que, ayant donné mes absences pendant tout le premier semestre, et vous savez que je suis retraité depuis le 31 décembre, donc ça veut dire que j'ai très peu d'indisponibilité. Les deux seules réunions que vous avez mises où j'avais les quelques miettes à avoir pour travailler avec vous, on m'a répondu que ce n'était pas possible parce que vous aviez trop de travail. Attendez, si vous me permettez. Ouais. Et je vois que là, vous reproposez encore des réunions à ceux qui ont déjà beaucoup de travail. Donc moi, je propose négligemment qu'on vous aide à travailler et que vous aidant à travailler, on essaye de s'insérer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Rassurez-vous, on n'ira pas loin. Mais simplement, on est conseillers municipaux, nous aussi. Alors, première réponse, on ne vous a sûrement pas dit que nous avions beaucoup de travail. Ah, si, ça m'a été dit. Et j'ai même le mail qui l'a dit. On vous a simplement dit que mon mandat était très chargé. Tout à fait. Et qu'on ne pouvait pas, dès les heures que vous proposiez, nous avions déjà d'autres rendez-vous. Non, il n'y avait que deux jours que j'avais, voilà, où j'étais indisponible, c'était les deux jours-là, c'est tout. Tout le reste du mois, j'étais libre. Bon, notre agenda nous est fait de telle sorte, il fallait aussi, il y avait des contraintes de temps, donc l'agenda étant déjà calé, nous n'avons pas pu effectivement en changer la date. Quant à la représentation, je pense que vous pouvez très bien proposer vos candidatures et nous voterons. Et deuxième réponse, je pense que M. Blé, il est quand même adjoint au développement durable, ça me paraît tout à fait normal qu'il apparaisse dans cette... Et M. Guirand en charge de l'aménagement de l'espace, ça me paraît aussi normal qu'il soit présent à ces commissions. Étant donné que ce qu'ils vont dire, ce ne sera pas leur avis personnel, ce sera l'avis du conseil municipal. Des 25 et ou des 29 ben, des 29, bon, il n'y a pas de souci, chacun pourra dire ce qu'il a à dire, hein. Mais on vous écoutera, mais après ce sera l'avis de Fuveau, d'une manière générale. Ça me paraît normal. Ma remarque n'était pas que pour cette réunion, parce que je conçois tout à fait que M. Bouillon et M. Blé sont beaucoup plus qualifiés que moi. Pas plus qualifié, ce n'est pas ce que nous avons dit. Si, ça je le conçois parfaitement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on travaille tous ensemble, quoi. Non, mais tout à fait. Donc, nous pourrons très bien préparer ce genre de réunion. Bien sûr, mais ça sera avec plaisir. Voilà. Non, mais c'est ça. Oui. Alors, effectivement, dans la mesure où les représentants du conseil municipal dans cette instance devront porter... l'avis des 29, ça nous donne effectivement, cette délibération nous donne l'opportunité d'avoir un débat sur l'opportunité même du projet.
Madame le maire, je vous ai transmis au début du mois de novembre un projet de motion concernant ce projet pour organiser au sein de cette instance un débat sur l'intérêt et que l'on peut porter à ce projet. Donc effectivement, nous serions intéressés de connaître votre opinion et l'avis du conseil municipal sur ce projet, sur son impact environnemental, sur son intérêt économique et financier, sur son intérêt sur l'emploi. Je pense qu'un vrai débat pourrait être intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre avis et puis après on vous dira nous effectivement ce que l'on pense de ce projet. Je vous avais répondu, et ça a été fait, que j'interrogerai mes collègues maires des communes concernées et la CPA, ce qui a été fait. Nous avons eu des réponses des communes de Gardanne et de Meyreuil qui sont très favorables au projet, qui nous ont avancé leurs arguments. Quant à la CPA, et je pense que là, Jean-Paul va éventuellement vous répondre, elle est effectivement actuellement en interrogation et ils réfléchissent aux arguments. Et je pense qu'il assiste aux commissions de la CPA où on parle de développement durable et ces sujets ont été évoqués. Je pense qu'il va vous donner où ils en sont parce que la démarche n'est pas terminée. Et effectivement, on a eu un débat pas plus tard que vendredi après-midi en commission environnement dont je peux éventuellement vous relater un petit peu en synthèse de ce qui s'est dit. Effectivement, peut-être que Daniel aura d'autres compléments d'informations par d'autres canaux, on va dire comme ça. Donc la CPA, effectivement, nous a présenté un petit peu le projet sur le plan technique, et je pense que là, on est là pour parler du plan technique. Hein. Je pense que, effectivement, le plan emploi, je pense que c'est un autre volet, effectivement, du dossier. Je pense qu'on est tous favorables, effectivement, à ce projet dans la mesure où il génère de l'emploi direct et de l'emploi indirect, ça c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas être opposé, effectivement, à ce projet de par, effectivement, cette proposition de développer, effectivement, donc, des emplois. Sur le plan technique, ce qui nous a été dit et ce que je redis ce soir, et je fais que le porte-parole de ce qui nous a été dit, donc vendredi soir notamment, par la CPA, par le service forêt, quoi, que j'avais interviewé précédemment pour me faire l'idée, c'est que effectivement sur les 850 000 tonnes de bois qui vont être brûlées, enfin il n'y a pas que du bois qui va être brûlé puisqu'il y a effectivement un petit peu une partie fossile, une partie de charbon qui elle sera pérennisée dans le temps puisque ça sera toujours la même proportion, effectivement ce bois, enfin ces plaquettes de bois qui vont être brûlées, la fourniture de ce bois le sera dans un premier temps de façon locale et de façon étrangère, et à terme, c'est-à-dire sous 10 ans, sera effectivement uniquement locale. Il faut savoir que, et ça je pense que c'est un élément essentiel dans le débat, il faut savoir que sur la région PACA agrandie de la région Languedoc-Roussillon, la production, enfin le stock actuel de bois est de 186 millions de tonnes. Cette forêt s'accroît d'environ 5 millions de tonnes par an. Or, sur ces 5 millions de tonnes par an, enfin sur cet accroissement de la forêt, seulement 1,6 million au jour d'aujourd'hui est exploité pour les besoins locaux. Donc, même si on n'utilise que l'accroissement de la forêt annuelle, eh bien cet accroissement de la forêt annuelle suffira largement pour les besoins d'Eon, puisque pour la production locale, ils ne feront appel à terme qu'à 350 000 tonnes. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, intéressant à savoir par rapport, effectivement, à l'approvisionnement en bois, sachant que, effectivement, on peut émettre quelques réserves sur l'approvisionnement en bois qui va arriver, du Canada dans un premier temps, qui, bon, à terme, va rapidement disparaître, puisque je pense que la société E.ON s'est engagée à effectivement, diminuer de façon substantielle cette production, enfin, cet acheminement bois, effectivement, sur des cargos ou sur des tankers où effectivement le bilan carbone ne serait pas très bon. Un autre élément également, je pense à prendre en compte dans le dossier sur lequel moi je voulais me faire une idée au terme de la par rapport effectivement à la pollution atmosphérique, on en a beaucoup parlé lors du précédent conseil ou d'un conseil précédent effectivement par rapport aux particules émises, aux particules fines émises. Il faut savoir que ce que nous a dit donc là, alors là c'est la société E.ON qui nous a mis en avant donc ces chiffres-là. Il faut savoir que sur les 850 000 tonnes brûlées donc, dans sa chaudière par an, eh bien, avec les précautions techniques, les filtres, etc., qui vont mettre, je ne suis pas spécialiste, mais
sur les chaudières, etc., cette combustion de 850 000 tonnes ne va occasionner que 50 tonnes de particules fines. Sachant que si on brûlait ces 850 000 tonnes comme des déchets verts actuellement, vous savez au jour d'aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de brûler les déchets verts, mais si on les brûlait comme des déchets verts, c'est-à-dire sans aucune précaution, eh bien la combustion de ces 850 000 tonnes de bois produirait